Hey, salut tout le monde les amis, c'est InnovaDiex. Alors comme convenu les amis, on se retrouve sur Bad Parenting. Donc je vais découvrir ça avec vous. Je vous propose qu'on y aille tout de suite les amis. C'est parti, on y va. Pour le jeu Bad Parenting. Bad Parenting. Ok, ça commence comme ça, très bien. Histoire 1. Vu que c'est un jeu qui va se composer de plusieurs histoires, Mr. Redface. Mais du coup, là, on a que ce jeu-là pour l'instant qui est sorti, donc voilà. Oh, ok. Oh. Ok, la maman, très bien. Maman, tu rentres encore tard. S'il te plaît, j'étais occupée avec le travail. Est-ce que tu peux avoir un tout petit peu de compassion pour ta mère? Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, bien sûr, je sais. Alors, où est mon cadeau? As-tu déjà entendu parler de Monsieur Face-Rouge? Le jour de l'anniversaire des enfants, sage Monsieur Face-Rouge leur laisse secrètement des cadeaux quand ils dorment. Vraiment? Bien sûr. Si tu veux avoir ton cadeau, tu dois aller au lit maintenant. Je vais tout de suite dormir, maman. Oh, le daron. Il fait flipper. Tu mens encore au gosse. Combien de fois es-tu arrivé à la maison aussi tard? Je travaillais et mon service a fini tard. Connerie! Tu penses encore que je suis un idiot, n'est-ce pas? Eh, petite merde, retourne dans ta chambre. Reste pas ici à espionner les conversations des grandes personnes. Ok. Waouh, ça fait flipper les amis. Hein. Ça fait vraiment flipper. Surtout qu'on peut se déplacer. Tu peux parler? On passe à travers, ok? Oh, ok. Très bien. Bon. Elle discute très bien. On peut courir. On peut pas sauter, par contre, on peut courir. Alors, où est ma chambre? Ici? Ok, peut-être là. Je peux dormir ou pas? Ça, ma chambre. Quoique ça a l'air d'être la chambre des darons. Je peux y aller ici. Ok, bon, elle est là. Ok, ça a l'air d'être ma chambre. Hey, on m'a enfermé! C'est bon. On va dormir, hein. Du coup, on est en train de dormir, les amis. Qu'est-ce qui va se passer? Oh shit! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un dans la maison. Il y a quelqu'un dans la maison. Et devant la porte. Oh. Oh, ok. Monsieur Face Rouge. Oh. Ok. Qu'est-ce qui... Oh là 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 là. Et là, on se réveille. Ok, bon. Est-ce que c'est le cadeau de Monsieur Face Rouge? Pas vrai? Bonjour. Ah, je peux pas bouger. Salut, je suis Ron. Hein? Tu peux parler? Évidemment, j'ai été créé avec la magie. Tu as la même apparence et le même nom que moi. Eh oui, mon maître m'a créé juste pour toi. Mais ta nuque semble un peu distendue. C'est rien, parfois mon maître fait des erreurs. Ce n'est qu'un petit défaut comparé aux autres poupées. Ce qui est réellement important, c'est qu'à partir de maintenant, je serai ton meilleur ami. Ça a l'air génial! Est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Mon maître a rangé mes jouets dans l'armoire. Peux aller me les chercher pour moi? L'armoire est toujours coincée. Tu peux réessayer? J'ai fait de mon mieux, j'arrive pas à l'ouvrir. Tu veux que je fasse autre chose? J'ai faim. C'est une poupée, est-ce que tu manges même? Non.
toi tu vas manger, mais je serai capable de ressentir tout ce que tu manges. Mon maître a lié tous tes sens, tes émotions aux miennes. Je peux donc facilement te comprendre. Ouah, c'est incroyable! Vas-y, on va manger. Hein. Allez là. Il y a de la nourriture. Non, là, il n'y a pas. Peut-être là, non? Hugo? Comment cette lettre à 13h, n'est-ce pas, Marmotte? J'ai préparé mon plat. Ton plat préféré, il est dans le frigo. Alors n'oublie pas de le réchauffer avant de le manger. Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu ne manges pas assez. Tu sais que je n'ai pas beaucoup de temps à la maison. Alors essaye de prendre soin de toi et arrête de m'inquiéter. Encore une chose, n'oublie pas de prendre tes médicaments après avoir mangé, maman. Oui, là. War Holding A. Avait quelque chose dans la main. Ici, j'ai mis debout. Wow. Oh, c'est prêt. On va mailler. Allez. C'est ton plat préféré? Tu veux me voir faire de la magie? Oui, s'il te plaît. D'accord, je ferai en sorte que cette assiette de nourriture ne se finisse jamais. Chaque fois que tu finis de manger, le plat se remplit de nouveau comme avant. Wow! Incroyable! Est-ce que tu peux faire d'autres? Wow. Ok. Wow, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh purée! Wow! D'accord! Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, devine. Oh non, la bouteille, mon père va me fouetter. J'espère qu'il dort encore. Mon père! T'en fais pas, mon maître l'a emmené ailleurs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Va y aller. Oui, mon père, comme je te l'ai dit, mon maître l'a emmené ailleurs. Quoi? Car ton père est une mauvaise personne. Il te frappe et te hurle souvent dessus. Les parents comme eux sont emmenés par mon maître afin de protéger les enfants comme toi. Mais c'est beaucoup trop. Mon père ne mérite pas ça. C'est une mauvaise personne. Non, il n'est pas. S'il te plaît, laisse mon père partir, je t'en supplie. D'accord, mais mon maître ne va pas aimer ça. C'est un long chemin pour atteindre l'endroit où ton père est gardé. Je devrais utiliser un raccourci si tu veux arriver à temps pour le sauver. Montre-moi le chemin. Le raccourci est dans ton placard. Va le récupérer. Bonjour. Ah, il y a plusieurs endroits, c'est ça. Pas l'ouvrir le placard. Je ne peux toujours pas l'ouvrir. C'est dommage, je suppose que nous allons devoir utiliser l'armoire de tes parents alors. Allez, je peux toujours pas l'ouvrir. C'est fou quand même. Il faut savoir que ces armoires peuvent fonctionner comme des portails. Ils peuvent nous amener partout où tu veux, y compris où est gardé ton père. Et c'est donc. Passe rien, frérot. Y a rien dedans. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a quelques étapes à suivre pour activer ce raccourci. Apporte la radio de ton père et place-la devant l'armoire. Ok. Cette radio fonctionne comme un bouton d'ascenseur. Il faut d'abord choisir une fréquence. Si tu choisis la bonne fréquence, la porte s'ouvrira à l'endroit où tu dois aller. Ok. Il semblerait que ce soit pas ça. Réessayons. Ok. Oh shit! C'est pas ça, frérot! Ok, c'est bon? Je pense que c'est là. Bonne. Vas-y, rentre, reste ici et je surveille la maison. Ok. Waouh.
Oh, bonjour. Comment tu vas? Je cherche mon père. Décris-le. Mon père s'appelle Bruce. Attends une seconde. Il y a beaucoup de Bruce dans le coin. Pas plus de détails. C'est plus un bon Bruce ou un mauvais Bruce? Comment te dire? Mon père est le genre de personne qui s'énerve vite. Donc c'est un mauvais Bruce. Laisse-moi voir. Il y a encore beaucoup de mauvais Bruce. Pas plus spécifique. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il hurle souvent, toujours pas assez d'infos. Parfois il me frappe et me claque aussi. Et c'est tout. La porte est derrière toi. D'accord. Bouh! Ah, il a eu peur. Vous êtes qui? On est comme toi, des enfants qui essayent de trouver nos parents. On reste ici un moment. Tu veux nous rejoindre? Pardon, je suis pressé. Ok, à plus tard. Ok, d'accord. Wow. C'est flippant, hein? Wow. Oh, le daron, il est... Il est pas bien. Papa, pitié, arrête de me punir. C'est moi, papa. Pitié, arrête de me punir. Qu'est-ce qui t'a fait? Allez, rentrons à la maison où Monsieur Fasse-Rouge va venir nous chercher. Et arrête de me punir. Rien faire d'autre, pas. Sortilège. Hop! J'avoue, j'ai flippé. J'avoue, j'ai flippé. Oh la maman. Ta tête là. Madame? Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu te caches dans l'armoire? Je fasse rouge, j'ai pris papa. Oh, bah c'est une bonne nouvelle. Je rigole pas. C'est une longue histoire, laisse-moi t'expliquer. Comment va Ron, ta poupée aujourd'hui? Elle va bien? La poupée, maman, comment est-ce que tu sais? Je le sais car tu n'as pas pris tes médicaments aujourd'hui. Pas la première fois que tu as des hallucinations de ce genre. À chaque fois que tu racontes des histoires différentes et tu parles toujours de cette stupide poupée. Je ne te souviens pas des autres fois. Non. Ah, je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Va te mettre au lit, il est déjà minuit. Très bien. Merci, maman. Tu m'es d'une grande aide, hein. Vraiment, merci. Oh, purée! Non, mais il faut qu'ils arrêtent avec ça. Hein. Oh là 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 là. Wouah! Ça fait flipper, les gars, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer, mon fils? Pas bien? Waouh! Waouh! Tant mieux maintenant? Ouais, maman. C'est Monsieur Fasrou. Ça va aller, demain je prendrai un jour de repos et je m'occuperai de toi. Vraiment? Promets-le-moi, maman. Je te le promets. Maintenant, retourne te coucher. Oui, maman. Waouh. Très bien. Ça fait bader. Vraiment, je vous le dis, ça fait bader. Maman? Ah, tu n'as pas tenu ta promesse encore une fois. Eh ben, on l'a encore menti, c'est pas grave. Y a rien d'autre? Non, y a rien. Ah, il a pris. Il a eu des problèmes, le bougle, la poupée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon maître m'a tabassé. Il n'était pas content de ce qui s'est passé hier. Je suis désolé, c'est ma faute. Par hasard, est-ce que tu aurais vu ma mère? Mon maître l'a emmenée. Quoi? Ça vient tout juste d'arriver, je suis désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Tu devrais t'enfuir, il va bientôt revenir pour t'emmener. Non, je dois aller sauver ma mère et mon père aussi. Comment, tu ne vois pas ce qu'il m'a fait? C'est le sortilège. J'ai trouvé ça à la prison de mon père. Je pense que ça peut nous aider à le battre.
C'est le sortilège pour battre Monsieur Face Rouge. Allez, va vite dans l'armoire pour savoir où est ton père. Savoir où ta mère te trouve. Se trouve. Je peux l'embarquer? Non, je peux pas l'embarquer. Ok, faut aller sauver notre mère. On retourne dans le pouvoir. Dans le monde. Notre mère. Jette vite le sortilège à l'intérieur et mets-toi à l'abri. Ok. Ils sont tous là, eux. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, monsieur Fast, j'arrive. Mon dieu. Oh, il est pas beau, hein. Oula. Ah! Ça a fait boum. Je peux y aller? Passe. Passe. Pour retourner dans le monde réel? Je pense. Chelou. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Sortir. Oh, pourquoi je suis cramé? Qu'est-ce qui t'arrive? Mon maître a été vaincu. La magie qu'il a utilisée sur moi aussi est en train de se dissiper. Tu disparais, ne t'inquiète pas. C'est ce que je souhaitais. Tu devrais aller dehors et rejoindre tes parents. Oh, maman, ils sont là. Oui. Papa, maman, vous êtes libre maintenant. Ah! Tu me trompes, n'est-ce pas? Je t'ai dit que j'étais occupé au travail. Menteuse! Tu négliges notre famille pour un autre homme. T'as pas honte de mentir à ton fils? Et toi, tu penses que t'es meilleur que moi? T'es juste à la maison à glander toute l'année. Quel genre de père tu es? Peu importe ce que je fais, ce sont mes affaires. Je ramène quand même l'argent à la maison pour prendre soin de mon enfant. Et si tu penses toujours que je suis une pute, toi tu te trouves encore plus bas. Oh là là, mais frérot, arrête de taper ta femme. Vraiment, arrête. Un mot de plus. D'accord, toi et moi, on va divorcer. Et l'un d'entre nous va devoir quitter cette maison. Si t'es encore là demain, je prends mon fils et je pars. Tu restes ici, maintenant. Oh, plus rien. Oh oh. Monsieur Fachrou, c'était notre père? Ah d'accord. Ça ne se passera pas comme ça. Oh. Oh. Passé. Ah d'accord. Oh. Quoi? Il vient de se passer quoi là? Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Je suis tellement désolé, Ron. Ton armoire, je pense que tu es capable de l'ouvrir maintenant. Et moi? Et moi? Pourquoi je ne sais rien de tout ça? Tu l'as toujours su. Car je suis la partie de toi qui sait. Tu étais dans le rejet et dans le déni de tout ça. Tu t'es créé des histoires afin de te sentir mieux à propos de toi et de ton père. Et moi, je dois trouver un moyen de te ramener à la réalité. J'ai tenté plein de fois, de plein de façons de t'aider à accepter la vérité de la manière la plus douce possible.
À chaque fois, je rate, devine ce qui arrive. Tic-tac, boum, tous les souvenirs disparaissent, tu te réveilles une fois de plus au point de départ, la nuit où ton père t'a tué. Je suis mort depuis combien de temps? 14 jours, 2 semaines. Ça ne peut pas faire si longtemps. Qu'est-ce qui est réellement arrivé à mes parents? En ce qui concerne ton père, il se cache dans un motel miteux. Oh là 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 là. Ah d'accord. C'est glauque. En fait, on le hante, si je comprends bien. Rentre à la maison avec moi, papa. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Et ma mère, elle me voit toujours. Oui, car elle ne rentre que tard le soir. Et si c'est la journée? Mon fils? Là, elle va voir. Et voilà. Mon Dieu, c'est... Avez-vous des indices sur l'endroit où votre mari peut s'être caché? Vous avez fait tomber quelque chose? Est-ce que c'est... C'est nous qui lui avons donné, c'est le sortilège. Carte de motel. Mais je ne crois pas que ce soit à moi. Waouh. Ah oui, regardez les barreaux et tout. C'est nous qui lui avons donné le sortilège pour que tout ça s'arrête. Killer Phaser. Arthur a été arrêté. Waouh. Votre enterrement. Waouh. C'est spécial. Waouh. C'est spécial comme jeu, les amis. Les enfants. Attends, ce serait mon père qui les aurait. Je regarde la tombe, le feu. La voiture. C'est là où les corps ont été retrouvés. Ce serait mon père qui les aurait tués. Au revoir. Waouh. Waouh, c'est spécial, les amis. Le jeu était cool, franchement j'ai bien aimé. J'espère que... En tout cas que ce jeu vous aura plu les amis. J'avais promis de le faire, donc voilà je l'ai fait. Bad Parenting. Oh, d'accord. Et en gros c'est des textures gratuites. Unity, iSprite, Blender, Audacity. D'accord. J'ai utilisé iSprite. Très bien. On a tout ce qu'ils ont utilisé. Donc ça, c'est cool. Voilà, les amis. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Allez, bye bye tout le monde. Ciao! Et merci d'avoir regardé.